Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce début du mois d'août. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Je reçois quelqu'un que tout le monde aime. 63 ans de métier. L'unique Michel Richard sera avec nous pour la prochaine demi-heure. Elle nous fera d'ailleurs deux très belles chansons. L'homélie avec l'abbé Donald Thompson. Et comme toutes les semaines, cette belle chronique, 2 minutes pour vous avec le père Michel Marie de Paris. Michel, bonjour. Merci d'être là. Bonjour, Sylvain. Une vraie joie de vous recevoir. Quel plaisir. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans votre vie dernièrement? Je vous trouve tellement calme. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Non. Je fais encore toujours ce que j'aime. Je pense encore comme une enfant. Je fais encore plein de bêtises. Mais je suis bien parce que je suis, heureusement, un peu plus sereine. D'où ça vient, d'après vous? Un peu plus d'expérience. Accepter. Accepter ce qui se présente à nous. Et arrêter de révolutionner puis de toujours vouloir faire des exploits. Accepter. Accepter la vie et l'aimer. Aimer la vie. Vous aimez la vie? Oui. Oui, j'aime la vie. J'aime toujours la vie. Oui, ça paraît. Quand je lisais mon rapport de recherche, vous disiez que c'est important pour vous de continuer à vous émerveiller. C'est beau, ça. Je pense que c'est une façon de rester énergique, l'émerveillement, et jeune dans la tête. Ça, c'est important. Alors, et c'est facile, s'émerveiller. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de trouver les jolies choses. Moi, je regarde les belles affaires. Je ne regarde pas les pauvres. Les affaires qui m'intéressent moins, je ne regarde pas ça. Je regarde les belles choses, les belles personnes, les belles gens. C'est ça que je regarde. Est-ce que c'est vrai que ça vous a pris du temps à apprécier ce que vous avez? Je lisais ça et ça m'a surpris. Oui. Pourquoi? Il a fallu que... Bien, on a toujours des années... fabuleuse, plus active, plus forte que d'autres. Et quand on arrive dans des années creuses, entre guillemets, bien, on est forcé à méditer. On est forcé à penser à où on est rendu, où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et forcément, ça m'a permis de réaliser que j'étais choyée. Premièrement, être en santé, c'est un cadeau, un cadeau extraordinaire. Et aussi, devenir un peu plus indulgent. En tout cas, travailler sur nous-mêmes. Et l'indulgence, je trouve que ça aide énormément. Pardonner, être indulgent, être moins sévère envers les autres, moins demandant. Écouter notre voix intérieure. Les gens, en général, sont tellement pris par toutes sortes de choses qu'ils n'écoutent pas la petite voix intérieure qui nous guide tellement bien. Si on l'écoutait, hein? Tellement bien. Tellement bien. Malgré un caractère fort, on le sait, vous êtes une femme sensible. Très sensible, mais ça s'est fait avec les années, le caractère fort. J'ai commencé à chanter en bas âge et à foncer pour... réussir et bâtir une carrière et tout ça. J'avais un père qui avait un caractère fort, une mère aussi, et chez nous, à la maison, on ne voyait pas la vie autrement que d'être des battants. Alors, ça a fait ça, mais c'est avec les années qu'on devient, qu'on a un caractère fort. Mm-hmm. Parce qu'à l'adolescence, j'avais pas un caractère fort comme ça. Mais j'avais déjà... ne riez pas comme ça, Sylvain. Je vous regarde. Il y avait déjà une petite tendance à être un peu différente des autres, mais bon. Ce qui m'a beaucoup touché lorsque je lisais sur vous, c'est que vous avez accompagné papa et maman vers l'autre vie. Ça, c'est important pour vous. Très important. De toute façon, je suis fille unique. Alors, la famille était peu nombreuse autour. J'ai jamais eu d'enfant et... je tenais à être là, c'était important. C'était très dur. Ma mère, ça a duré 6 mois de maladie et j'allais la voir tous les jours. Elle était à Montréal avec moi. C'est beau, hein? Et durant cette période-là, je n'ai pas travaillé beaucoup. Et mon père, lui, ça a duré 3 mois. Il était à Sherbrooke, j'y allais
à chaque semaine, mais j'étais là quand ils, tous les deux sont partis. C'est très, très beau, ça, vraiment. Oui. Et je tenais à être présente et je tenais à... J'ai eu des choses merveilleuses qui se sont dites entre mes parents et moi, et mon père et moi, et j'ai eu le temps. Oui, voilà. J'ai eu le temps de partager de grands moments. C'est riche, ces derniers moments-là. Oh, c'est très, très riche. Mmh. Ça reste toute une vie. Alors, c'est cette puissance supérieure qui est devenue en même temps des paroles de mes parents, mmh, qui sont restées au-dessus de ma tête toute ma vie. Mmh. Alors, ça m'a aidé énormément pour évoluer, ouais, pour essayer de grandir. Ouais. Malgré les épreuves de la vie, vous n'avez jamais perdu la foi. Jamais. 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 Parce qu'il faut se rappeler aussi que je suis née en 1946. Alors, au début des années 50, la religion catholique, au Québec, en tout cas, c'était omniprésent. Ah ben oui. Et toutes mes petites copines de classe, tout le monde, on était avec la religion catholique. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les médias sociaux pour nous parler de telle religion, les religions islamiques, les religions bouddhistes, orthodoxes et tout ça. Alors, et comme je n'étais pas une révolutionnaire, alors, je ne cherchais pas ailleurs. Donc, j'apprenais le catéchisme à l'école et j'ai appris la religion catholique. Mmh. Et après, quand j'ai voyagé à travers le monde et que j'ai vu les autres religions, c'est sûr que je suis allée voir. Mmh. Ça m'a beaucoup attirée par curiosité d'aller voir, pas comparer, parce que j'étais pas prête à faire des sauts pour m'en aller ailleurs, mais pour voir ce qui se passait dans le monde. Ben, autrement, et c'est sûr que la religion bouddhiste, Ça m'a charmé énormément. Je trouvais ça proche de chez nous, mais parce que j'allais dans les temples, ouais, alors ça m'a permis de méditer, de m'asseoir, d'observer, de voir les gens qui venaient dans les temples aussi et de voir leurs agissements et sentir un peu leurs croyances et leurs émotions. Ouais. Alors, oui, j'aimais ça, mais je suis toujours revenue au principe de mes parents, qui étaient chez catholique, nous, au ouais, Québec, la religion catholique. J'ai beaucoup aimé quand j'ai lu, bon, on sait que vous avez un caractère enflammé, mais le pardon pour vous est extrêmement important. Oui, oui, oui. Et plus jeune, je pense que je pardonnais moins. Alors, qui sommes-nous pour ne pas pardonner et être sévère et ne pas avoir cette indulgence? Il a fallu que je travaille sur moi, j'ai encore à le faire. Mais le pardon, je trouve que c'est très libérateur. Ah oui, c'est très libérateur, le pardon. Avez-vous des regrets, Michel? Des choix de carrière que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, c'est sûr, avec le recul, il y en a, mais je ne vis pas avec ça. Non. C'est oublié. Et puis, je vis avec le moment présent et je vis pleine d'espoir avec le futur. Mais les regrets, j'aime pas ça vivre avec ça. Je trouve que ça freine un rythme qui ne me convient pas. Voilà. Une façon de dire les choses. La vie vous a beaucoup donné. Beaucoup, oui, beaucoup. Êtes-vous une femme qui est capable d'être dans la gratitude et de dire à Dieu merci? Parce que vous avez une vie absolument magnifique. Je pense que je le deviens de plus en plus par ma situation. C'est sûr que je vois tout ce qui se passe et je trouve qu'on est nés, les Québécois, dans une belle partie de pays. Ceux qui ont la chance d'être en santé, c'est une façon de vivre extraordinaire. Quand je vois d'autres personnes à côté qui sont moins... qui sont plus vulnérables et qui sont moins gâtées par la vie, je trouve ça difficile, alors je remercie. Mais ça me prend bien souvent, ça me prend des gros chocs pour apprécier et remercier, parce que je suis portée à penser que ça nous est dû. C'est faux. On est tous un peu pareil, des fois on l'oublie, hein, que c'est pas dû. Rien nous est dû. Ouais. Michel, je veux vous remercier de tout cœur et j'espère, je vous souhaite de tout cœur de faire une belle centenaire. Oh, mon Encore Dieu. Longtemps, longtemps, longtemps. Que Dieu vous entende. Et en santé.
Ben, je vous remercie. Sylvain, ça a passé comme un éclair. Il en reste longtemps. Ça me fait plaisir, convaincu. Et je vous laisse aller vous installer parce qu'on va écouter. J'ai écouté les répétitions tantôt. Je suis tombé sous le charme de cette chanson-là. Guide-moi, prends ma main. Je vous invite à aller vous installer. Avec plaisir. On va écouter ça ensemble. OK, c'est bien. Écoutez bien les paroles, les amis, parce que c'est, et surtout la façon que Michel l'interprète, c'est de toute beauté. Guide-moi, prends ma main. J'ai besoin de ton aide dans mon cœur. Le soleil s'est couché. Je suis seul et j'ai peur. Viens calmer la tempête, Dieu sauveur. Guide-moi. Trop longtemps pour trouver une étoile, mais sans toi, rien ne sert de chercher. Aujourd'hui, j'ai compris que rend ma vie, rend mon âme, sauve-moi, guide-moi. Maintenant que je vis, que je sais que tu m'aimes, reste là à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus ». En compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charron et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal, orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, il est déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est pas fait par des machines. C'est fabriqué par des religieuses de Mexico. Et elles sont tellement contentes parce que évidemment que ça leur fait un peu de sous et ils sont capables, grâce à ça, d'aider des enfants à Mexico qui sont dans la pauvreté. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Alors, et la supérieure nous a assuré que la communauté qui fabrique les chapelets, elle prie
pour chaque personne qui recevra ce chapelet-là. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni et surtout fabriqué dans la prière. C'est pas fabriqué en usine. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, comme toujours, il est déjà béni. Grand soleil à Paris, et c'est toujours avec joie que je vous retrouve pour répondre à vos questions souvent bien délicates comme celle-ci. Suite à la mort de nos parents, nous nous disputons entre frères et sœurs au sujet de la succession. Est-ce légitime ? Le Christ a déjà d'une certaine manière répondu dans l'Évangile à deux frères qui s'écharpaient parce que l'un trompait l'autre. Jésus s'est contenté de leur dire « Gardez-vous de toute avarice ». À sa suite, la tentation serait de botter en touche et de ne pas répondre. Mais ce serait une fuite. Je vais donc faire feu en me contentant de rappeler un certain nombre de principes à respecter quand on est un homme honnête et un ami du Christ par surcroît. En soi, un héritage est un cadeau et non un droit. Nombreux sont ceux qui ne recevront rien de leurs parents, qui toute leur vie ont trimé sans réussir à mettre de côté le moindre centime, ni à être propriétaires de leur appartement. Ce sont d'ailleurs très souvent les enfants de ces personnes-là qui réussissent le mieux leur vie, conscients qu'ils partent les poches vides, en ne pouvant compter que sur leurs seules compétences pour gagner leur vie et rendre heureux leur petite famille. Cela dit, si vos parents possèdent une petite fortune et que vous venez d'en hériter au jour de leur décès, heureux êtes-vous, à moins que leurs biens ne viennent vous tourner la tête et que vous vous jetiez sur le magot comme un chien sur son os, exigeant ceci, exigeant cela. Cet argent vous rendrait alors mauvais service en faisant de vous une espèce de prédateur au cœur sec et agressif. Dans ce partage entre frères et sœurs, personne ne doit être lésé, c'est entendu, cela va de soi. Cependant, n'exagérez pas dans vos revendications. Le plus grand trésor est l'unité de la famille, ne la mettez pas en péril. L'amour fraternel est plus précieux que les euros. Demain, nous le savons bien, quand la maladie et la mort feront leur entrée, nous laisserons tout, argent, maison, meubles, et 100 ans plus tard, ce à quoi l'on tenait de plus partira en salle des ventes, chez des inconnus. Et puis, entre gens intelligents, il y a sans doute moyen de s'expliquer, sans réclamer le secours des avocats. Et calmement, s'il vous plaît, de façon à ce que chacun reçoive la part qui lui est due. Il n'y a rien de pire ici-bas que d'avoir la bouche qui bave devant les biens périssables et de briser des liens en se disputant une commode du XVIIIe siècle. Pauvre humanité qui n'a pas encore compris que l'amour est plus précieux que les billets de banque. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de ce dimanche, 18e dimanche du temps ordinaire, Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.
Travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, évidemment, on médite hein, depuis quelques semaines, et encore pour quelques semaines, c'est les Évangiles de Saint Jean, hein, au chapitre 6, qui nous parle du pain de vie. Vous savez, la faim n'est pas toujours un mal. Hein? Bien au contraire, la faim peut être signe de bonne santé. Quand le malade se met à manger avec appétit, on va dire, on est assuré à ce moment-là que ses forces lui reviennent. Hein? Quel plaisir aussi de voir un enfant en santé qui mange avec appétit. Mais c'est décevant, par contre, pour une maman de voir quand son enfant n'a pas faim devant le repas nourrissant qu'elle lui a préparé. Alors, dans l'Évangile aujourd'hui, Dieu nous offre avec générosité le vrai pain, le pain de la vie. Mais les affamés de ce pain se font souvent rares. Il y a toujours des places vides à la table du Seigneur, et pourtant le vrai pain de la vie est là en abondance. Alors, ce qui est intéressant dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus offre un vrai pain de nourriture de base et substantielle qui donne la vie. La foule veut de ce pain-là. Hein? Il y a eu la multiplication des pains. Mais Jésus leur révèle que ce pain est quelqu'un, que c'est lui. « Moi, je suis le pain de la vie. » Et on mange ce pain du ciel en venant à lui et en croyant en lui. Voyez-vous le transfert ici que Jésus fait? C'est sûr qu'en multipliant les pains pour nourrir les gens, il a voulu leur montrer un autre pain hein, qui est nécessaire pour vivre pleinement. Mais de ce pain-là, on n'en veut pas parce qu'on n'a pas faim. Oui, on a faim d'un pain qui comble l'estomac, pourtant le vrai pain de vie est donné en abondance. Alors, mes amis, aujourd'hui, quand on regarde ça, dans le monde actuellement, il y a des milliers de personnes hein, qui ont faim, on le sait. Ils sont nombreux, les affamés de pain, bien sûr, les affamés de justice, hein, les affamés de liberté, les affamés d'amour, les affamés de présence. Par contre, dans le monde et dans nos communautés chrétiennes, on manque d'affamés. C'est curieux, hein? Le pain est là, en abondance, prêt à manger. Les convives sont rares. Vous savez, on devrait mettre sur les façades de nos églises actuellement de grosses annonces « affamés, demandez ».« Affamés, demandez ». Oui, nous manquons d'affamés de la parole de Dieu. Le pain de la parole de Dieu est si bon et si nourrissant pourtant. Hein, il se mange par la lecture, la méditation de la Bible, bien sûr, par des partages d'Évangile, participation à des assemblées. On a besoin aussi d'affamer d'intériorité. Hein? Dans un monde où le silence nous devient insupportable, où nous sommes toujours en train de courir pour obtenir les derniers gadgets, notre vie intérieure devient sclérosée. Que de choses matérielles nous sont nécessaires hein, pour être heureux, comme si le bonheur pouvait s'acheter au centre commercial. Nous ne sommes pas de purs esprits, bien sûr, ni des anges, c'est certain, mais nous oublions souvent que nous avons un cœur, et une vie intérieure qui a besoin, elle aussi, de nourriture. Il ne faut pas l'oublier. On réussit trop souvent à calmer notre faim hein, de spirituel, d'intériorité, en centrant nos énergies hein, sur des choses matérielles et accessoires. Et là, il y a tout un monde qui nous échappe. Et le plus important, parce que nous n'avons pas faim d'intériorité et de réalité spirituelle. Finalement, où sont les affamés de Dieu, hein? Le risque est grand que quand les gens ont plus de lien avec la parole, avec la communauté croyante, Dieu leur devient quelqu'un d'énergie quelconque, quelqu'un d'étranger. Alors, la faim, ça se développe. La faim, c'est en mangeant que vient la faim, hein, c'est bien sûr. Si on consent à participer à la vie d'une communauté croyante, etc., si on lit la Bible, qu'on prie, hein, si on retrouve le goût du silence, il faut arrêter aussi de grignoter,
hein, si on veut garder la faim. Le grignotage actuellement, là, c'est toutes les... Vous savez, quand on va au frigo constamment, on n'a plus faim. Bien, beaucoup se contentent du fast-food spirituel. Hein? Quelques croyances un petit peu New Age, un peu parti, flyé, comme on dit, l'usage des cristaux, etc. T'sais? Combien ont comme seule alimentation les téléromans et les journaux à potins? Oui, 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 il faut arrêter de grignoter. Il faut arrêter de grignoter, il faut faire de l'exercice aussi, hein, pour garder notre faim. Alors, je demande, l'exercice spirituel, c'est d'être en contact constamment. Je demande au Dieu de la vie qu'il vous bénisse et qu'il nous donne la faim de lui constante, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. En terminant, on écoute une très, très belle chanson interprétée par Michel Richard. On la connaît tous, c'est une belle prière, un jour à la fois. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus et sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'en ai pas honte. Je prends la vie comme tu me l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, doux Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Hier est venu, doux Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Tu sommeilles en moi. Oh Jésus, tu sais, j'étais si loin de toi, mais tu veillais sur moi. N'oublie pas mon nom, ou entends ma voix, que ma chanson monte vers toi. Un jour à la fois, un jour à la fois, doux Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Hier est venu, doux Jésus. Assiste-moi un jour à la fois. Un jour à la fois, doux Jésus, c'est tout ce que je veux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour.